Euh, du coup, avançons, avançons. On va peut-être faire un peu plus rapide sur le suivant. On va parler de Alfaro Camino, peut-être, euh, que tu nous disais au niveau du classement pour spoiler et dernier de la liste. Je pense que je dois être pas loin, mais, euh, mais avant de passer au classement, quand même, parlons un peu du joueur. Donc, Alfaro Camino, 10 saisons sur l'NBA, même si en vrai, il y en a que 9 de vraies saisons, peut-être avec une blessure sur la dernière année en 2020. On va, on va y arriver. Euh, 7,6 points de moyenne sur la décennie, 25 minutes par match sur la décennie également. Et là, par contre, tu vois, en termes de, de temps de jeu et de longévité, on est à 17 000 minutes sur la décennie. C'est quand même pas mal, c'est le 71e plus gros total. Et en termes de matchs joués, on est à 688. Et là, c'est le même le 20e plus gros total de la décennie. Quelqu'un extrêmement durable en termes de, de présence et de, de non-blessure, hein, du coup. 20e plus gros total de matchs joués sur la décennie. Euh, au niveau des récompenses individuelles j'en ai pas trouvé <laughs> peut-être toi t'en as trouvé tu, tu me dis euh, sinon au niveau de enmidraft.net, les comparaisons alors pour eux c'était un mix entre Marvin Williams et Tadeusz Young. voilà un peu le côté euh, peut-être oui, oui. post 4 euh, spacing et le côté défenseur ils ont voulu faire un peu un mix des deux et du côté de Draft Express aussi euh, le meilleur scénario pour eux c'était Josh Smith et le pire c'était Tadeusz Young. moi je, je pense que j'inverserais les deux peut-être oui. <laughs> <laughs> je m'étais dit ça un peu c'est peut-être un peu ça avec Josh Smith euh, et au niveau de surnom ouais, j'ai même pas noté mais je crois que c'est le seul que j'avais vu c'était Chief son surnom ouais, Chief Amino ouais. on n'est pas sur un épisode avec des surnoms totalement loufoques euh, comme, comme je... la dernière fois il me semble que c'est parce que il descend d'une du... tribu euh, oui. au Nigeria à et fait, que oui. Alpha Rogue veut dire chef justement. c'est ça ouais. 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 je crois que c'est ça l'histoire effectivement au niveau du parcours, bah, il est pile dans la décennie, hein, justement, euh, au-delà du fait qu'il n'a pas eu de blessure, mais bah, il est pile dans la décennie, puisque Draft 2010, euh, quand même le huitième pick, hein, rappelons-le, donc assez haut, en sortie de Wake Forest, il a 20 ans au début de la décennie, drafté par les Clippers, euh, la fameuse équipe du coup 2011, sa première année, où il était capable d'aligner une équipe ultra jeune avec euh, Eric Gordon, qui était en troisième année, je crois, Eric Bledsoe, qui était rookie, euh, qui est ce qu'on avait aussi, bah, Alphonse Comino, DeAndre Jordan et Blake Griffin, donc on avait un... Un, un cœur, euh, cœur d'équipe très très jeune mais qui finalement n'a pas, pas duré évidemment parce que il y a le trade et très rapidement dès la fin de sa première année trade pour Chris Paul et lui il fait le chemin inverse vers les Hornets de la Nouvelle-Orléans à l'époque c'était encore les Hornets euh, 2012 du coup il passe euh, il fait 22 minutes par match du côté des Hornets 2013 27 minutes donc ça augmente un peu quand même on est presque sur un, un temps de jeu de titulaire hein, de, de ce côté là 2014 également troisième année du côté des Pelicans cette fois ils ont changé de nom et 20, 25 minutes par match. Le problème, c'est qu'il y a 03 points sur, ces, sur cette première partie de carrière. Il n'est pas prolongé par les, par les désormais les Pelicans, et il fait un an du côté de Dallas, en 2015. Euh, moi, j'avais presque oublié ça, qu'il était passé par, mais, par ah, Dallas. Moi aussi, complètement. Mais ouais. vraiment, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Contrat minimum, euh, en sortie de, de contrat rookie, euh, voilà c'était vraiment 18 minutes par match dans une équipe qui était... Alors, je crois qu'ils ont fait les playoffs hein, cette année-là. C'est l'année avec Rondo, d'ailleurs. Ah, euh, oui. Donc, éliminé au premier tour par Houston et ensuite ben voilà ça devient un très bon coup de l'été puisque 2016 enfin intersaison 2015 pour la saison 2016 il signe à Portland et c'est fait partie avec Markless notamment euh, et Alan Crabb des, des très bons coups réalisés par la franchise parce que Portland avait tourné la page Lamarcus Aldridge Wesley Matthews Nicolas Batum et donc on s'attendait à ce qu'ils soit moins, moins bon mais avec des bons coups comme Aminou et avec euh, l'évolution de Lillard et McCollum ben du coup ils ont un nouveau une nouvelle équipe qui est déjà très compétente Portland fait les playoffs. Lui, il a 29 minutes par match cette année-là. Il est titulaire. C'est un des éléments très important de cette équipe, notamment défensivement. Et un des changements qu'on peut noter aussi, c'est bah, finalement il, il shoot à 36% à 3 points sur 4 tentatives. On en reparlera, mais au moins il y a un début de, de shoot. En playoffs, ils font deuxième tour contre les Warriors et éliminés. Euh, 2017, encore une fois 20, 29 minutes par match, éliminés au premier tour par les Warriors, les très grands Warriors. 2018, euh, élimination contre les Pelicans au premier tour, la série un peu, un peu surprise, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec euh, Jeroulidé, euh, alors que Portland était troisième de conférence hein, cette année-là, il faut le dire. Et puis euh, 2019, c'est l'année où ils font finale de conférence Portland contre les Warriors en battant notamment Denver au deuxième tour, une équipe des Blazers qu'on ne s'attendait pas du tout à retrouver en finale de conférence, ils sont là un peu par, un peu par concours des circonstances, mais bref. Et puis, il finit la décennie en signant un contrat du côté d'Orlando. Mais il fait à peine 18 matchs du côté d'Orlando pour blessure. Enfin, ça y est, ça arrive. Euh, du côté du Magic. Et donc, voilà pour, pour son parcours et pour sa décennie. Euh, je ne sais pas comment toi, tu as abordé la chose, mais pour moi, il y a toute la première moitié de la décennie qui est un peu à jeter, où il y a une valeur, pas négative, mais une valeur nulle, en fait, hein, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et finalement, ce qui reste, et si on enlève aussi l'année 2020, c'est bah, quatre saisons du côté de Portland en tant que. En tant que leader de cette équipe mais pas forcément non plus un leader transcendant oui en fait en revoyant le nom d'Aminou, je me suis dit quand même dans le top 100 ça me paraît un peu un peu fort de café si j'ose dire tu t'es dit et il f... allait chercher loin quoi ouais ouais et en fait j'avais sous-estimé je crois son impact en playoff en regardant il a des c'est un c'est un role player comme il y en a des dizaines si on peut dire en saison régulière mais c'est le joueur qui, pendant 3-4 ans, a été vraiment précieux en, en playoff. En fait, je trouve que ça justifie tout à fait qu'il soit là parce que, quand même, il faut le dire, 2016 contre Golden State, donc quand ils perdent au, quoi, au deuxième tour, euh, c'est 35 minutes de jeu à 17,2 points, 8,4 rebonds, 55% à 3 points. Alors bon, c'est évidemment, ça, ça n'a pas duré, mais, mais l'année suivante, non, deux ans et après. Puis, puis, tu peux rajouter la défense aussi, hein, qui n'est pas dans les stats, la défense. Ouais, exactement. Et l'année ou deux ans après, quand ils se font par les Pelicans, c'est 17,3 points, 9 rebonds, euh, et 43% à 3 points. Et donc, euh, quand même, euh, c'est, pas tout à fait rien, quoi. Il n'y a pas tant de players qui sont capables de, de, faire ça sur plusieurs années. Au total, il, il a, en fait, ce qui est assez surprenant, c'est de voir qu'il a toujours, euh, je ne sais pas si c'est qu'il a augmenté son niveau en playoff. Enfin, si, sans doute un peu à trois points, en tout cas, où ça rentrait plus, mais c'était aussi dû à des, des questions tactiques que euh, systématiquement les, les équipes adverses le laissaient ouvert en essayant de, de traper Lillard ou, ou McCollum. Euh, mais en tout cas, il arrivait à faire payer les équipes adverses suffisamment pour que ça soit efficace et qu'il reste sur le terrain. Euh, et donc, euh, c'est le genre de role-player qui, d'un coup, devient plus utile en playoff presque qu'il n'était en saison régulière. Donc, rien que pour ça, effectivement, ça justifie sans doute qu'il soit là. Euh, par ailleurs, ça a toujours été un très solide défenseur et un, un défenseur parfait pour euh, pour la période qui s'est ouverte euh, vers 2013-2014, d'une de, de, NBA où on switch de plus en plus, etc. etc. Quoi. Euh, et par ailleurs, c'était un, un attaquant assez catastrophique. Alors à part shooter à trois points, il ne savait pas faire grand-chose, il me semble. Non, non, non Mais... tout à fait, tout à fait. Mais ouais, donc euh, en fait, hein, si, si on regarde que ces stades de saison régulière, bon, c'est pas très excitant. Quoi. Mais en playoff, toujours il était utile. Et il jouait plus de 30 minutes par match. On ne peut pas dire ça de tout le monde. Alors, là où je suis moins d'accord, c'est que je ne suis pas trop d'accord sur le fait qu'il devenait valuable en playoff, parce que je, je trouve que justement, dans, dans, dans mes souvenirs, c'était toujours ce truc de... Euh, c'est très sympa en saison régulière mais ça pose des problèmes en playoffs et notamment du côté du trois points même si paradoxalement ça se voit pas dans les stats parce qu'effectivement il fait des, des très grosses stats en termes d'efficacité mais aussi parce que ces trois points-là étaient très très grands ouverts quoi, finalement oui mais euh... oui, oui non mais c'est vrai tu as raison mais en même temps il les mettait c'est enfin, vrai c'est vrai disons que ça aurait été mieux si ça avait été un autre joueur encore mieux ou qui pouvait faire plus avec la balle mais euh, dans les limites de Portland ont été les mêmes qui sont les mêmes depuis euh, 5, 6, 7 ans. Euh, finalement, est-ce qu'il y a eu mieux que lui à ce poste là Non, en tout cas, il est ouais. mieux qu'Aminou, euh, que Aminou, que par exemple. Voilà, mieux que Moharkles. Et je suis... ouais. alors, on va voir ce que donne Gérard Migrante, mais je suis même pas sûr que. Oula, <laughs> enfin, bon, bref, c'est un autre débat. Je crois Qu'on n'a pas le temps de parler de Gérard ouais. Grant, euh... <laughs> faire le débat. Non, non mais en, en, tout, en tout cas, je pense que dans, pour le reformuler, alors dans les. Dans les pires passages en playoff de Portland, il y avait ce truc où il était un peu abandonné. Alors, de facto, il les punissait, mais OK, il avait ces tirs-là et il les mettait, mais ça permettait aussi de coincer ce qui se passait autour. Bien, à sûr, côté. bien sûr. Donc, c'est peut-être ma, ma seule nuance. Et l'autre nuance aussi pour laquelle je disais, c'est pas qu'il devient bon en playoff, c'est que justement, je trouve qu'il il avait aussi déjà plein de valeur en, en saison régulière. Et même, tu vois, presque quand tu, disais, tu parlais de role player. Presque, j'étais en train de me dire, c'est un peu sévère. quoi C'est un mec qui joue 30 minutes par match. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Hein. Dans, le, dans le profil, c'est pas c'est pas un créateur. Et moi-même, j'ai appelé euh, j'ai appelé Kevin Love à un role-player pour ce, cette question de profil. Mais un, un mec qui a 30 minutes par match et qui est un peu... Pas le rock défensif, hein. on n'est on on est pas sur ça, mais euh, quelqu'un de, de très solide sur un tel temps de jeu, pour moi, c'est presque plus qu'un qu role-player. Euh, mais après, c'est vrai que pour faire un peu des, des nuances, bah il y a le... Il y a le côté 3 points qui est, qui est bien, mais qui n'est pas génialissime. Hein. Finalement, il était à 35% à 3 points sur ses 4 années à Portland et pas beaucoup de gravité de, de shooter, justement. Et euh, même pour la défense, tu vois, finalement, je trouve que c'était quelqu'un de, de pas transcendant en défense, qui, qui faisait du bien, euh, oui. mais qui n'était pas, pas un ailier. Bah, tu vois, par exemple, tu compares le pic en le pic en carrière de, de Robert Covington à celui d'aminou Covington a bien plus d'impact, je trouve, que quelqu'un comme Aminu. Euh, Aminu, c'était plus un, oui. un wing stopper de, de bonne qualité, avec très grand, des grands bras, etc. Donc ce côté défense on-ball, et on va dire le, le minimum de, de rebond, minimum de dead, et minimum de, de ring protection par rapport à son profil, mais tu vois, ça n'a jamais été quelqu'un de un playmaker défensif de haut niveau euh, dans... De, avec, avec les atouts qu'il avait, il aurait pu faire dix fois mieux. Tu vois, il a, il a les mêmes atouts physiques que Draymond Green, par exemple. Euh, et pourtant, on est, est quelqu'un qui, dans l'impact sans ballon et dans le euh, tout ça, était quand même beaucoup moins euh, impactant que d'autres joueurs comme des Covington, des Draymond Green et tout ça. Donc c'est pour ça que je nuance peut-être un peu sa défense, en tout cas par rapport à d'autres profils plus valuable et même en termes de. C'est vrai que moi j'étais un peu sur cette idée que ben, il était venu apporter un gros plus défensif à cette équipe et que c'était un peu comme ça qu'on qu avait trouvé un équilibre tu vois, en regardant, en re-regardant les chiffres, bah, finalement, ça se voit pas trop, quoi. Euh, C'est-à-dire que Portland, en 2016, ils font les play-offs, donc quand lui, il arrive et que il est à 30 minutes par match, ok, il est dans défense, mais euh, Portland est 20e euh, au defensive rating. 2017, ils sont 25e même au defensive rating, donc euh, à quel point euh, mes souvenirs étaient un, peu, euh, étaient un peu embellis par rapport à Minou et à Arcles, qui, qui apportaient la défense, certes, mais ça faisait pas tout, quoi. <laughs> 25e défense de, de NBA et 20e, bon, on est quand même très bas, hein, 25e sur, sur 30 et en fait, la vraie différence, tu vois, en 2018 et en 2019, où Portland est 7e et 15e, en fait, c'est l'apport de Nurkic. Euh, c'est ça qui change tout. Et on répète souvent euh, qu'un pivot a plus de valeur, euh, a plus d'impact en tout cas, plus de potentiellement plus d'impact ouais. que, que des ailiers ou des meneurs. Bah, ça, ça en revient aussi. Bel exemple ici avec Nurkic, qui lui était euh, dans son, ses meilleures années de, du côté de Portland, en défense notamment. Bah, voilà, quand Nurkic est bon, ça change la défense et ils sont top 10. Quand Minou est bon et quand Moreclass était bon, ça changeait pas forcément la, la donne. Quoi. donc euh, C'est pour ça que moi, il va être dans la fin du top 100. Et même, tu vois, il fait partie des gens que, euh, par rapport aux propositions que les auditeurs vont, vont faire et par rapport aux propositions que mes intervenants vont, vont pouvoir faire, si quelqu'un vient argumenter pour quelqu'un d'autre et qu'on le retire de la liste, en tout cas, c'est probable. Quoi. <laughs> On peut oui, le voir. Oui, oui ça. Non, mais, ouais, bien sûr. Euh, ouais. Puis là, il a succédé à... Pour corriger un peu ce que j'ai dit aussi, il a succédé à Batum. Alors c'est vraiment le début de l'ère d'Amien Lillard, les... Ouais. Ça doit être les deux premières années, trois premières années de Lillard avec Batum et Aldridge. Euh, et Batum avait plus d'impact. Oui. Ouais. Euh... Il, il arrive, il doit arriver, si je ne me trompe pas, euh, l'année où ils font le grand ménage, où Aldridge s'en va, où ouais. Mathieu s'en va, Batum aussi. Tout à fait. Ouais. Robin Lopez aussi, je pense. Ouais. Euh, et du coup, euh, niveau classement, on est d'accord que pour l'instant, on, le met, on, le, met, on oui. le met tout en bas, on le met dixième, oui, oui. Euh, dixième sur dix. Ouais, ouais. Y a pas... Pour toi, il n'y a pas de duel avec Harrison Barnes non, non, ouais. non, parce que euh, Harrison Barnes, même s'il a montré ses, ses limites, mais euh, il est quand même très supérieur offensivement, il me semble. Ouais. En, tout cas, en tout cas, il a plus de, ouais, a plus ouais. de choses offensivement. Ouais. pour Il est plus viable. Peut-être Camino, qui dans ses mauvais passages, il était limite pas viable offensivement. Ouais. Ouais. Euh, mais donc voilà pour le, le classement. Pour l'instant, on expédie hein. le classement, on est d'accord on est sur <laughs> tout, donc euh, tout va bien. Euh, et donc, petit quiz hein, pour terminer rapidement. Alors, cette fois, c'est pas un qui dans l'effectif, c'est un kick à scorer plus. Puisque je vais te demander, Aminou, Draft 2010, est-ce que tu peux me jouer, est-ce que tu peux me citer pardon, les joueurs qui ont marqué de cette draft 2010, qui ont plus de points en carrière que Alfa Rook Aminou. Donc draft 2010 quand même assez connu. Euh, je pense que tu auras les noms. Alors, euh, bon, il bah, John Wall. Ouais. 11 000 points, John Wall. De Marcus Cousins. Tout à fait. Greg Monroe doit être au-dessus quand même, Tout à fait, oui, tout ouais. à fait. Euh. Paul George, c'est 2010. Paul George, effectivement. Ouais. On a un autre ailier qui a été drafté pas loin de Paul George. Hayward. Hmm. Hayward, effectivement, est Eh, ah, Evan Turner. Evan Turner, Ellié, effectivement. Ouais. 6800 points comparé aux 5300 de, de Aminou. Euh, Derek Favors, ça doit être juste, je pense. Derek Favors, Ellié. 8300 okay. points, Derek Favors. Okay, bon. un monument de longévité euh, sans faire de vagues, longévité moyenne. Ouais. <laughs> Euh, 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 ensuite, euh, ensuite, ça devient plus dur. Euh... Alors, on a un joueur avec qui il a commencé dans sa première équipe. Un petit meneur qui a été drafté dans la même équipe que lui. Bledsoe Eric Bledsoe, effectivement. Ouais. 10 000 points pour Bledsoe en carrière. Euh, on a un autre arrière euh, du côté de Boston cette fois. Qui a été drafté par Boston Drafté par Boston, ouais, 2010. Oh, ben, va, okay. Tout petit défenseur. Qui a joué longtemps à Boston Qui a joué pas mal de temps à Boston, 5-6 ans. Bon. C'était Avery Bradley. Ah, bah oui, d'accord. Ah, oui, c'est 2010 Avery Bradley. Ouais. Puis, oui, d'accord. A... que ouais. Wesley Johnson n'est pas au-dessus. Johnson n'est est pas. On a un dernier, par contre. Alors, lui, il n'est pas du tout dans les top picks. C'est quelqu'un qui s'est révélé en milieu de décennie des années 2010. On l'a pas vu venir. On a pensé que c'était un, un défenseur à l'NBA d'un coup, et en fait, non. <laughs> du côté de Miami, notamment. Euh, qui a été drafté par qui Sacramento je crois à l'époque mais il a surtout explosé en 2015 notre ami Hassan ah, notre... Whiteside Hassan Whiteside effectivement ah, oui. effectivement donc voilà pour, pour le petit quiz eh bah, j'aurais qui... pas été capable de redire la draft de Whiteside c'était en 2010 ça fait longtemps bah, en fait. il est drafté au deuxième tour hein, loin eh au deuxième oui. tour euh, mais donc voilà 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 donc ça fait qu'il est euh, combien Minou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 il doit 11ème du coup c'est honorable hein. Dans... c'est honorable tu fais une, re... une redraft euh... Il part dans la loterie, je pense. Ouais, sachant que là, c'est que au niveau du, du scoring. Hein, ouais, bien façon, sûr. Mais des points et je pense que même tu peux le faire monter euh, en termes de valeur. Hein, parce que oui, tu vois, oui, par bah, exemple, oui. je n'ai pas Whiteside dans le stop sans pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais.